J'ai observé toute la loi de Dieu dès mon jeune âge. Félicitations, me dit cet homme. Tu y es presque, ajouta-t-il. Presque? Que me reste-t-il encore? Lui demandai-je. Regarde bien autour de toi, me dit-il. Je lui dis que je suis un bon citoyen, que j'ai été même décoré par le président lui-même de la plus haute distinction de mon pays. Mais il insista. Regarde très bien. Dans mon égoïsme, je me refusais de voir la misère de tous ces pauvres autour de moi qui avaient soit besoin de l'eau, du pain, des vêtements. Quoi? Vendre tout mon héritage et le donner comme nourriture aux pauvres? Mais qu'est-ce que mon héritage vient faire là-dedans? Cela n'est pas mentionné dans la loi. Te suivre? Tout abandonner pour te suivre? Mais te suivre où? Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. D'ailleurs, pourquoi moi? Je ne suis pas responsable de leur malheur. Je suis un bon mari pour ma femme. Je suis un bon père pour mes enfants. C'est pas à moi de finir tous les malheurs de ce monde. C'est la responsabilité du gouvernement. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu. J'étais tout triste et je vois encore sa main tendue vers moi. Ma richesse, c'est aussi important. Je ne peux pas agir ainsi. Je vais décevoir ma famille, mes enfants. Et je suis parti. Il me regardait m'éloigner, espérant que je puisse revenir sur ma décision. Et c'est ainsi que la grâce est passée sous mes yeux, sans que je puisse m'en apercevoir. Et mon honnêteté n'a pas pu l'arrêter, tellement que j'étais occupé à protéger mes intérêts. Pendant que je m'éloignais, je l'ai entendu murmurer quelque chose à ses disciples. J'apprendrai plus tard qu'il leur avait dit quelque chose comme « Il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu car un chameau est passé entre les trous d'une aiguille. » La richesse, est-ce un mal? Mais il fit tout pour me faire comprendre que l'amour de l'argent était la racine de tous les maux et qu'on ne peut pas servir de maître. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre.